Bien bonjour à tous, c'est KCX et aujourd'hui on se retrouve sur Warframe pour vous présenter le build des Iku. Alors, les Iku Prime, excusez-moi. Donc, on va pas perdre de temps, on va aller regarder ça de suite. Donc, j'ai fait un petit build plutôt cool, pas non plus trop compliqué à faire. Sachant qu'il vous faut pas non plus des masses de format, hein. Moi j'en ai mis deux personnellement. Après, avec un, vous pouvez aussi faire des choses plutôt sympathiques. Donc, vous commencerez par mettre un nuet d'art. Un petit canon à diffusion, déluge mortel, hein. Bon ça c'est les trois logiques. Moi j'ai mis un convulsion, un donc balle pathogène, engelure, tempête de glace et pistolet de peste. Donc on augmente un peu le statut, bon 67,4%, on n'est pas trop mal. Vous allez voir que en mettant déluge mortel, on a quand même un tir multiple et une cadence de tir assez conséquente. Moi pour le fun j'avais essayé de mettre pistolero. Alors attendez, je sais plus où il est. Pour ceux qui ne se rappellent plus ce qu'est ce mode. Alors pistolero. J'ai dû le passer. Alors attendez, je sais plus la polarité. Pistolero. Il est pas ici, il est pas là. Donc il doit être forcément... Voilà. Donc ça augmente à 72% la cadence de tir. Donc là c'est trop. Hein. Mettez surtout pas ça parce que vous allez voir, vous allez perdre vos munitions en moins de 2. Donc du coup, vous gardez un déluge mortel avec une cadence de tir à 60%, c'est très bien en plus. Voilà, voilà. Donc bien écoutez, hein, comme la tradition l'exige, on va aller se faire une petite partie sur Xeni. Donc je suis en compagnie de Totem et Kiraonge. Bonjour à vous les gars. Ils m'entendent pas donc ils me répondront pas non plus. Je laisserai leur lien aussi sur la chaîne, hein. Vous pourrez aller voir leur chaîne aussi. Du coup on va aller se faire un petit Xeni. Donc on va aller voir s'ils sont prêts. On go Xeni. Hop là. Alors. Tac tac. Et vous allez voir que bah, les Iku Prime sont quand même plutôt sympathiques. Donc bon après moi vraiment sincèrement j'ai vraiment bien aimé. Bon ils ont pas l'air d'être motivés. Ah si c'est bon. Allez Totem, on t'attend. On va démarrer une minuteur. Et du coup, je vous ferai le build de Nyx Prime, donc il sera pas trop différent de Nyx normal, comme je vous avais dit. Donc, on a Chaotic Bomber qui nous a rejoint. C'est sympa. Merci à toi. du coup, oui, le build de Nyx Prime, hein, comme je vous disais, il est vraiment pas si différent que ça, que Nyx. Hein. De toute façon, ça reste une Nyx dans tous les cas, et puis il y a juste le skin qui change, hein, comme on a pu voir. Mais elle est très jolie. J'aime bien sa petite face d'alien. Donc cette vidéo là elle arrivera sûrement en fin de semaine puisqu'il y a la vidéo concours aussi qui arrive dimanche soir. Donc ça je tiens à bien le rappeler, hein. C'est pour gagner quand même 1000 platines donc c'est pas rien. Et c'est tout aussi sérieux que le dernier concours qu'il y a eu. D'ailleurs tous les participants peuvent confirmer que c'est assez sérieux et que les platines sont bien données pour le gagnant. Donc voilà. Eh ben on va attendre un petit Chaotic Bomber. Ah ça y est. Il devrait arriver. Allez. Alors qu'est-ce que c'est? Oh là là. Monsieur David Jones. Oui, il fait peur. Bon, lui c'est déco de la partie. Ok. On y va, hop, hop. C'est parti. Monsieur Totem. Alors, Monsieur Totem a pris un Excalibur. Avec un Sicarius. L'Attica. Les ailes d'ange. Ça, c'est normal. Oui, j'admire ton perso, Kira. J'admire les persos de tout le monde. J'aime bien regarder. Donc là, on y va. Et là, vous voyez. Ça dépote. Là, on n'a pas le temps de réfléchir. Hop là. Donc là, quand je vous dis que la cadence de tir, elle est déjà assez élevée comme ça.
C'est assez élevé, hein. Bon, on a ça avec les kunai hein, ou les despers, hein, mais bon. Les Iku sont vraiment très très bonnes. Moi, je les ai vraiment adorés. C'est un gameplay que j'adore, un gameplay simple avec lequel on adhère de suite et puis on n'a pas besoin de. C'est juste pour vous faire repenser à l'arme qu'on a eue là, le Buzzlock. Voilà. Par rapport à ce gameplay là, c'est quand même du gameplay assez simple. Et du coup, qui dit simple dit efficace quoi. Donc là, hop là, vous en aurez. Vous inquiétez pas, je distribue mes étoiles. Yeah. Oh, attendez. Oula, reste ici, toi. Eddie, sacré Eddie. Bon, comme vous avez pu voir aussi, hein, j'ai troqué ma Ruby pour ma sentinelle. Oh, je sais pas pourquoi, j'avais envie de changer un peu. La sentinelle me manquait un peu, hein. Bon, c'est le carrière. Hein. Mais voilà, elle me manquait beaucoup. J'étais un peu triste. Donc Ruby, je l'ai laissé un peu se reposer tranquillement dans son incubateur. Et puis ben, quand l'envie me reprendra, je la ressortirai sans problème. Ouais, sacré David Jones. Alors surtout que l'armure Prime ne lui va pas si bien que ça. Ça fait assez bizarre. Enfin, c'est surtout avec la Sandana Godzilla. Allez, on y va. Allez, c'est vraiment sympa. Les Iku sont vraiment... Pour ceux qui les ont pas encore, franchement, vous allez voir. C'est très très plaisant. Et puis ça se monte très vite. Hein. Faites du Sechura ou du Cerberus, comme d'hab, vous allez voir que ça monte très très vite niveau XP. Allez. Petite aile d'ange. Alors, il s'appelle Homer. Oh, qu'il est mignon Homer. Alors toi, va pas embêter Homer, s'il te plaît. Voilà. Non mais... Soyez gentils avec les cubros de mes abonnés quand même. Oh, j'utilise même pas un pouvoir de Nyx, y'a même pas besoin quand c'est... On se balade, hein. C'est vraiment... Je pourrais le faire... Là, je pourrais jouer avec les pieds tellement c'est facile. Ou avec une main, les yeux bandés, quoi. Bon, allez. Vague 4. Il y a des grosses cuisses, quand même, hein, quand on le voit. Mais on l'aime. Hydroïde, c'est hydroïde. Oula, petit souci. Allez. Tac, 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 les anciens, ça tombe par terre. Ah, le totem qui est à terre. On va calmer tout, là. On touche pas à totem. Un téno par terre ne reste pas par terre. Ouf, j'ai rien fait. En même temps, il n'y a plus grand monde. Oulala. Là là. Et bien voilà. Bon, on va faire un petit kit. Au moins comme ça, je vais vous refaire voir aussi le build. Ah, Eddie est pas content. Quoi ? Ah, à force de jouer, tu vas te faire avoir. Ah non, il a eu de la chance. Alors. Bon, tu es 56. Bon, puis ça fait un peu... Bon, on n'a pas gagné grand-chose, hein, de toute façon. Et du coup... On va retourner voir ce petit build. Donc je vous l'ai refait voir rapidement, voilà, hein, que vous puissiez voir un petit peu là, son vraiment sympa quoi. Le skin est vraiment très très joli. Hein. Les Iku Prime sont vraiment très belles. Alors on retourne voir le build. Donc je vous répète un petit peu que voilà tous ces mods, il faudra vraiment les maxer. Hein. Enfin si vous les avez pas maxés, puis bon je sais que c'est très difficile de monter notamment des mods comme ça. Donc voilà, donc nuée de dard, canon à diffusion, déluge mortel, convulsion, balle pathogène, engelure, tempête de glace, pistolet de peste.
Donc ça c'est un build, voilà, vous pouvez changer, vous pouvez mettre à la place de tempête de glace, vous pouvez mettre autre chose pour augmenter encore un peu plus votre statut. Engelure c'est pareil, bon moi j'adore être en corrosif, donc c'est pour ça. Surtout quand même, essayez vraiment de monter votre perforation, vraiment, même là à la limite, hein, vous prenez, prenez un autre mode, là je sais plus, il y a un mode là qui augmente encore la perforation, donc si vous voulez vraiment l'augmenter, n'hésitez pas. Voilà, mais c'est plutôt un build qui tient le coup. Je vous dis, moi je suis souvent de Cerberus avec ce build-là et ça se passe vraiment très très bien. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ce build vous plaira. Je remercie Monsieur Totem et Monsieur Kira Onche. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je me répète. Je vous dis à bientôt. C'était Castelix. Ciao, ciao les amis.